Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Mon frère Kouda, bonjour. J'espère que tu vas bien et que tout se passe à merveille de ton côté. Je viens ce soir te dire que sur le point de ce que Yemi a écrit, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que Yemi clame, mais sur le point des cabillets, ce côté, je crois qu'il est temps maintenant qu'on en parle. Parce que c'est ce qu'on a dit. On a occulté le problème. Le problème est trop criard maintenant. Je suis sûr que Yadema même n'a pas fait ce que Fort est en train de faire. Au moins, l'armée était partagée entre les cabillets et les losos. Avec cette histoire de Majuba la dernière fois, tu as vu le défilé hier. Tous les colonels ou les quoi qui sont à la tête des généraux sont doux. Non, qu'on se dise la vérité, ils sont doux, c'est des cabillets. Va dans l'administration togolaise. Non, arrêtons d'occulter ce problème. C'est un vrai problème dont on doit parler pour que ceux qui ne soient pas d'accord conseillent leurs frères. Parce que nous au sud, quand tu amènes un problème, tu n'as pas raison, on te dit que tu n'as pas raison. Mais eux, ils cautionnent ce qu'on ne doit pas cautionner parce que c'est mon frère. Non, je crois que tu as entendu un message de Camus Ali la dernière fois. On a poursuivi un gars jusqu'à lui écraser la tête. Ses frères n'ont rien dit. Mais on ne va pas compter sur ça et les laisser continuer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Au moins que leur frère leur dise ce que vous faites n'est pas bien. Tu as dit que pourquoi on ne va pas dans l'armée? Quand tu n'es pas capable, tu vas dans l'armée, tu seras sur le baptême jusqu'à ta mort. C'est ce qui se passe. Tu seras sur le baptême jusqu'à ta mort. Donc, ton grand frère Nicolas l'a dit, il faut choquer maintenant les consciences. C'est une réalité qu'on doit accepter. Ceux qui ne sont pas d'accord avec leur frère, qu'ils le leur disent. Parce que, à l'allure où les choses vont, mon frère Bouddha, on est en train de faire un lit à Rwanda 2 au Togo. Parce que l'amertume est à son comble maintenant au Togo. L'amertume est à son comble. Ce qu'il a fait pour dire qu'il a diminué, quoi, là, c'est ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Donc, arrêtons de nous voiler la face. C'est l'armée qui aide Fort à être là-bas. Et c'est seulement les cabillets qui sont dedans qu'on le dise haut et fort. Il n'y a pas de règles sans exception. Ce n'est pas tous les cabillets qui sont comme ça. Mais la majorité cautionne ce qu'on ne doit pas cautionner. Va à Déticopé, va à Thévié. Tous les grands domaines de problèmes de terrain, c'est un cabillet qui a la tête, qui dit qu'il a l'argent, qu'il a acheté le domaine. C'est ce qui se passe au Togo. Tu vas prendre un juge, un avocat qui va te tourner en rond toute ta vie. Tu n'auras pas gain de cause. C'est ce qui se passe au Togo. Acceptons-le et doit-on le problème pour pouvoir le corriger. C'est bien beau de nous écrire ce genre de choses. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'en veulent pas à l'ethnie en totalité. N'en veulent pas à l'ethnie en totalité, mais c'est un fait réel qu'il faut accepter, c'est tout. Personne ne cautionne les trucs de Yemi qu'on doit tuer tous les cabiens, non. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai vécu beaucoup de choses. Et moi, ce que je leur reproche, c'est ce qu'ils cautionnent les bêtises de leurs frères, c'est tout. Parce qu'il y a des choses que tu vas à Lomé, que tu vis toi-même, tu es hébété. Tu es hébété.
Tu es au boulot, quelqu'un vient, vous avez un problème de collègue, vous partez voir vous, votre chef. Arrivé là-bas, ton collègue commence par parler son patois. Et toi, tu es bête, tu le regardes. Mais la langue officielle au Togo, c'est le français. Le chef devait lui reprocher, non, mon ami, parle pour que ton collègue comprenne. Non. Mais il y en a tellement des exemples, c'est ce qu'on dit. Et ce que moi je veux dire aussi, c'est que nos frères, parce qu'on dit ça, il y a nos frères qui les aident. Nos frères qui les aident sont là-bas. Tout le monde est fautif. Tu vas dans un boulot, chercher un boulot, tu sais que c'est ton frère qui est chef. Ton chef te répond, hey, tu veux me créer des problèmes? Quel est le problème? Ah, tu veux qu'on m'enlève mon gagne-pain? La liste, les gens qu'on doit engager, on nous envoie la liste. Ça veut dire quoi, mes frères? Ça veut dire quoi? Mais qui envoie la liste? C'est là où le bas blesse. Il y a tellement de frustration. Il y a tellement de frustration dans la population. Mais asseyons, nous parlons de ça, quoi. Arrêtez ces hypocrisies. Arrêtons ces hypocrisies. Je te connais, tu me connais. Même dans le sud, tu vas en visite, on t'accueille. Donc arrêtons, c'est ça, c'est de ça qu'on parle. Mais s'ils ne veulent pas qu'on les doite, c'est eux, les généraux et tout, non? Bon, ils n'ont qu'à déposer la famille, Nyatine doit s'asseoir. On parle, c'est tout ce qu'on dit. C'est tout ce qu'on dit. Quand la population s'élève, qui on envoie les tabasser? Ce n'est pas ces gens de groupuscule. Qui on envoie? C'est ça qui crée ce genre de frustration dont on parle. Personne n'en veut à l'ethnie kabyé dans sa totalité. C'est ce genre de choses dont on parle. Dire que ça n'existe pas au Togo, c'est se leurrer, c'est se mentir soi-même. Mes frères, arrêtons ces hypocrisies. Arrêtons ces hypocrisies. Quelle est la garnison qui possède les armes, qui peut faire un coup d'état au Togo? Qui gère ces garnisons? Donc, on est des frères. Ils vont nous dire que les Guinéens sont plus gradés, sont plus réfléchis qu'eux. Les Burkinabés sont plus gradés, plus réfléchis qu'eux. Ou bien les Maliens sont plus gradés, plus réfléchis qu'eux. C'est tout ça là dont on parle. S'ils souffrent comme nous on souffre là, ils n'ont qu'à déposer la famille Nyatimbe. On va s'asseoir et parler entre nous. Là, on est frères, mes frères. Laissez tomber ces hypocrisies là. Bonne journée à tout le monde. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.